La famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japapé du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Hey, Khalil et Myriam du Cameroun, donc Bob Dylan et MK Michel. Ha, vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? On dit que oui, c'est le buzz, c'est le buzz. Maintenant qu'ils sont séparés, il fallait créer un autre schéma. L'autre au Canada, l'autre au Cameroun, il fallait créer un schéma pour continuer avec le buzz. Oh, que séparation, que réconciliation, oh, c'est quoi même. Bon, en tout cas, moi j'ai vu un live là où Bob Dylan demandait les excuses à MK Michel. Moi j'ai vu le regard du type là, c'est comme s'il est vraiment d'engouement. Je vous jure, il n'arrivait même pas à regarder MK Michel en face. Enfin, merde! Il dit merde. Il demande ce que jusqu'à là, hein. MK Michel dit que là, c'est chaud. Regardez d'abord le live. Après, je vais donner mon opinion. Je ne manque pas. Ok, je lui recommande que je ne manque pas. MDR. Attends. Pardon, s'il te plaît, je vais pas rire. Tu vois, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. C'est vrai que tu fais semblant, mais... Au fond, ça me dérange. Tu vois, ça me dérange. Je sais que c'est toi, je ne vais pas t'accuser, mais nous deux, je vais dire que nous deux, on a dit. Attends, ton live c'était pour venir demander pardon, ou c'était un live pour la réconciliation? Bon, écoute-moi. Quoi? J'ai dit, hey, s'il vous plaît, faites un commentaire, parce que moi, écoute, mon live a dormi, j'ai été très gentiment en prenant sa demande. Mon ami, arrêtez vos trucs là, que je sois gentil, sois calme là, je suis très gentil, je parle très posément même. Ah. Vas-y. Moi, je vais être honnête devant eux, tu vois. Moi, je t'aime beaucoup, tu vois, je t'aime énormément. Je sais pas si pour toi ça a changé, mais... Mon seul problème, c'est que il y a juste des petits trucs que je veux que tu dois changer, c'est tout. C'est en live que tu as me dit ça. C'est pas que c'est en live que je suis en train de te dire ça. Moi, j'étais hier à cause eBay. J'étais appelé ici en live seulement pour parler. C'est même pas si tu parles. En tout cas, je tenais juste à te dire que tu me manques et je suis désolé. Donc, je suis désolé. Maintenant, avant que tu ne parles, c'est vrai que c'est un truc que j'ai fait depuis. J'ai fait ça depuis avant que ce problème n'arrive. On est juste le bon moment. Les problèmes sont venus ralentir encore tout ça. J'ai vu tous les sacrifices que tu as eu à faire dans la relation. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Merci. Pour les moments qu'on a eu à passer ensemble sont toujours dans ma tête. La dernière fois, j'étais emmené à Kribi. J'étais dit que c'était pas une simple parade. C'est ma ville. C'est ma ville natale. C'est ma ville natale. Donc, le fait d'aller visiter ça avec toi, c'était pour renforcer les choses. Pour renforcer les choses. Et
nos différents voyages aussi. Donc là, je vais juste te demander, ne parle pas. Après, tu vas me répondre. Peut-être c'est pas très bon à écouter, je sais pas trop, mais c'est pas mon truc. J'ai juste voulu m'exprimer en fait. Écoute juste les paroles. Bébé, arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu sais, comment tu vas pleurer comme ça me fait aussi pleurer, s'il te plaît, arrête. Toi aussi, tu me manques, les gens me manquent. Je ne peux même pas imaginer à quel point. Et je te promets que j'aurai de mon mieux, tu auras le plus tôt possible. T'inquiète même pas pour ça. Bébé, tu me manques beaucoup aussi. J'avais tout laissé, enterré tous nos souvenirs passés. Je chassais ceux qui croyaient toujours à nous. Trop loin pour pouvoir t'entendre, trop loin pour pouvoir comprendre que ce que tu voulais était qu'on reste ensemble. Combien de fois t'as essayé de me retenir, j'ai refusé, tu as tout donné juste pour qu'on reste ensemble. Combien de fois t'as essayé de me retenir, j'ai refusé, tu as tout donné juste pour qu'on reste ensemble. Tous les deux on peut le faire, tous les deux on peut le faire, tous les deux on peut le faire, même si on est loin quand même, tous les deux on peut le faire, tous les deux on peut le faire, tous les deux on peut le faire, même si on est loin quand même. De la plage, à garder toutes les traces de nos pieds, le soleil du cribi, à renforcer ta place dans mon cœur, oui, tous nos bons moments, toutes nos folies repassent dans ma tête et je ne veux que jamais on ne s'arrête sur là où t'as mis la leur. Combien de fois t'as essayé de me retenir, j'ai refusé, tu as tout. Désolé, mais. Les amis, franchement, je suis désolée si la réponse que j'ai donnée ne vous plaît pas. Je suis vraiment désolée, mais moi, je ne vais pas accepter de me mettre avec quelqu'un parce que pour vous faire plaisir, parce qu'après, c'est moi, je vais vivre la relation au fond. Ce n'est pas vous. Bon, arrêtez de m'influencer avec vos commentaires. Je dis ce que je pense. Si Dylan a fait ça ici en live, c'est parce que il savait déjà que moi, ma réponse n'allait pas être à son avantage. Je sais pas, peut-être si tu te disais qu'en sortant le son, me montrant ici là, je vais changer d'avis, mais pour le moment là, moi, je vais pas continuer. Je vais continuer quoi la relation. Oui. Ça fait Tu sais aussi. quand même qu'on était sur une base où on allait se fixer les règles, chacun devait réfléchir de son côté. Mais je t'avais dit, souviens-toi de la dernière conversation qu'on a eue avant que je ne rentre au Canada. Je t'avais dit quoi? Que je veux réfléchir. Tu m'as dit quoi? Que. Tu te rappelles? Que soit tu me donnes une réponse maintenant, soit tu pars. Et si tu pars, on arrête. Et puis j'ai décidé de partir. Parce que tu vas pas m'aider, tu me mets encore la pression. Te rappelles, non? Donc. Donc là, je suis le fautif ici. C'est le seul fautif, mais tu sais que même si on veut dire qu'on a eu, tous les deux, nous sommes fautifs dans la relation. Moi, peut-être le mien, c'est peut-être 30%, peut-être 70%, tu connais. Tu sais très bien, ou bien je me trompe. Raison pour laquelle
raison pour laquelle moi, je te demande. Tu vois, donc il te demande les excuses depuis la Côte d'Ivoire. Moi Tu as aussi. dit que tu vas réfléchir, même ici encore. Je me suis déjà excusée pour ce que j'avais. Hein? Je me suis déjà excusée pour ce que j'avais fait, non? Oui. Voilà. Maintenant, toi, tu es encore venu. Là, en ce moment-là, tu n'avais pas encore m'aidé, même à 50%, tu es encore venu chier seulement sur toi. Ou bien. Et tu n'as même pas, tu as fini ça, là, tu n'as même pas laissé comme ça, tu as encore tout gâté. Je viens encore parler avec toi, tu me fais encore le chantage. Que soit tu pars. Tu te rappelles, non? Je dis. Je ne vais pas faire ça pour te faire plaisir. Je ne sais pas pourquoi tu es venu parler de son ici en live. Parce que tu as mon numéro de téléphone. Tu pourrais bien m'appeler, me faire écouter le son là que vraiment je pense à. Mais si tu l'as fait, parce que tu préfères que tes abonnés et mes abonnés, ils doivent être au courant de notre histoire. Ils doivent savoir ce qui se passe entre nous. Moi aussi, j'ai profité du moment pour dire ce que je ressens. Je ne vais pas dire quelque chose pour vous faire plaisir. Encore moins à tes abonnés ou bien à mes abonnés. Après tout, c'est ma vie. Et être en relation, c'est pas comme si on était dans une relation. À deux bases, c'était une relation comme on comptait se marier, fonder une famille et tout. Je vais pas aller dans. Ça, c'est si je dis que je vais me mettre en relation maintenant pour mes abonnés. C'est comme si j'ai décidé de gâcher mon avis, mon avenir à cause de mes abonnés. Bon, moi, pour le moment là, dans ma tête, je ne suis pas prête. Je n'ai pas encore fini de réfléchir. Peut-être le jour où je vais finir de réfléchir, je vais te dire, mais pour le moment, pour faire que les choses restent comme ça. Et je répète Tu encore. disais que c'est depuis la Côte d'Ivoire que tu réfléchis. Je peux même réfléchir même Que pendant tu es en train de réfléchir. un. Je peux En réfléchir. un an. Un an. Est-ce que c'est un problème? Ça ne fait même pas encore un mois. On est parti en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire le 28 janvier. Ça, bon, ça fait il y a presque un mois. On n'est même pas encore le 28 février. Je peux réfléchir pendant 3 mois. Je peux réfléchir pendant 6 mois. Le problème, Je ne sais pas comment tu as appris ça. Je ne sais pas comment tu as appris ça. C'est maintenant que je vois que tu as appris ça comme le chantage. Ça n'avait rien à y voir avec le chantage. Tu es arrivé normalement discuter. Ce n'était pas la première fois que tu me disais que tu allais réfléchir. Et je C'est n'étais pas la pas première fois. parce que tu me mettais la pression. Si tu me mettais pas la pression, c'est qu'on ne devait pas, on ne devait pas, on devait plus reparler de ça. Mais on ne peut pas avoir un problème. Moi, j'essaie d'arranger. Toi, tu prends ton temps. Tu dis que tu as dit que tu allais réfléchir la première fois. Dans le jour là, si je t'ai dit que si tu sors, c'est bon. Parce que moi, je voulais sincèrement qu'on arrive au problème. Moi, ça me saoulait déjà. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Et soit tu t'assois, on cause comme des grandes personnes. Soit si tu décides de sortir encore aujourd'hui là, encore aujourd'hui, c'est que Tu as j'aime vu trop. quand Je t'ai je dit. te posais en live pour dire des trucs comme ça. Tes mêmes abonnés là vont te demander pourquoi tu ne pourrais pas m'appeler Ibé pour me dire ça. Si tu m'as pas appelé Ibé, on devait parler ça entre nous et ça n'allait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais tu as préféré venir en live. Quand j'ai lancé mon live, on m'a signalé 2 fois. Parce que je n'ai pas accepté ta demande. J'ai dit 2 fois, j'ai lancé la première fois, on m'a signalé, j'ai coupé. J'ai lancé la deuxième fois, on m'a signalé, j'ai coupé. J'ai lancé la troisième fois avant de prendre ta demande. Parce que les gens ne faisaient que dire que oh, prends la demande de Dylan, tu es. Pourtant, si tu m'avais appelé, on n'allait pas être là. Mais c'est toi qui as cherché. Je sais pas comment les gens vont prendre ça, mais moi, je dis que ce que je pense et c'est toi qui as cherché. C'est pas comme Mais si. on a eu à causer, on a déjà eu à causer derrière. Est-ce que Et. tout ce qui s'est passé ici, Tu c'est trouvais pas? que ce n'est pas, on n'a pas pu arranger. Calme-toi, le jour où on va arranger, derrière, tu vas maintenant revenir ici en face avec. Bob Dylan, MK Michel, c'est du buzz ou la réalité? Ouais. Il y a eu un live il y a quelques jours. Oui. Dans ce live-là, Bob Dylan demande les excuses. Ouvertement en public, hein, devant 10 000 personnes. Live, 10 000 personnes. Mais les gars là font déjà 10 000 personnes en live. C'est Arsène Méry et Kimi, mon frère, jusqu'à il a sorti la chanson. Kimi, Kimi. Non, bon, sa parole était un peu plus laide, mais quand même, le message était là. Qu'est-ce qu'il dit dans le message? En tout cas, il ne raconte pas, il raconte rien de nouveau. Nous tous, on a vu leurs relations, on a vu comment MK Michel a passé le temps à courir derrière ce garçon, à supplier. On a vu, non? Donc, ce qu'il dit dans la chanson, elle est, même en public, même en live,
il brutalisait même la fille même là. Il dit, mais c'est quel genre là, pour vous le love là sort seulement, pour vous les Camerounais ça sort seulement un genre seulement. Ça sort toujours un genre. Vous ne pouvez pas être doux comme Khalil et Myriam. Il brutal là, il dit, mais c'est quoi ça? Oh God, la fille c'est comme si elle supplie, elle achetait même. Oui, mais en tout cas, mais Bob Dylan, ton amour là, moi je ne sais pas. C'est franc ou bien tu veux seulement que tu fasses les kaolo pour que tu partes au Canada. Non, il faut nous raconter ça. Parce que vous avez la distance. Et toi-même, tu sais que la fille là vend le piment. La fille là est dans la pimenterie, ça se sait. Je sais, tu sais, ils savent. Ils savent. Tout le monde sait que MK Michel, c'est une vendeuse de piment. On le sait, elle vend le pépé. Donc, ne venez pas nous dire qu'elle est là où elle est étudiante au Canada, machin. Donc, les gens se posent la question, c'est si fréquent même quand. Dans tous les mouvements. Quand on commence à se poser la question, elle c'est fréquent même quand. Oh, elle prend l'argent ou pas acheté, elle range rover, hein, machin. Le lendemain, elle fait la vidéo pour montrer que je m'en vais aller en classe. Hein. Tu peux aller en classe. Hein. Vraiment. La vie, c'est la life. La vie, c'est le schéma. C'est le schéma. Cherche ton couloir, tu crées ton schéma et tu vis dans ton couloir là. Tu chopes tes dos petits, tu chopes tes mini dos tranquillement. Crée ton schéma, c'est tout. Mais le gars chope son ogre là, demandé des excuses là, regarde. Le temps là, c'est moi qui courais derrière toi. Maintenant, c'est fini. Si c'est que c'est vraiment l'amour qu'ils avaient, que c'était pas le buzz. Quand la femme commence à te tourner le dos comme ça là. Attention. Attention. Généralement, les femmes sont les femmes qui supportent pendant longtemps. Elles peuvent te supporter même 15 ans. Le jour qu'elle commence à faire comme ça, qu'elle tourne le dos. Je ne crois pas que c'est pour revenir. Hein. Parce que quand elle tourne déjà le dos, ça veut dire qu'un autre boy derrière, sérieux, fort fort. Un autre bon Joe derrière, oui. Quand c'est comme ça, hein? Ah, des chances pour qu'elle revienne, comme ça. Donc Bob Dylan, si tu es vraiment dans le mouvement, hein, moi c'est ma pitié de toi. Mais c'est que comme vous là, vous passez autant aussi à faire le buzz, machin là, ça peut être un crainte cette situation là. Après, bim, on la voit au Cameroun. Elle est au Cameroun, on la voit entre les mains de Bob Dylan. On dit, hey, mais ça s'est passé comment? On a raté quel épisode? C'est comme ça, le buzz, on va faire comment? Oui, bim. Vous les voyez là, Kribi, vous dites que mais ça s'est passé comment? Un claquement de doigts, elle est déjà rentrée là à Kribi avec son Bob Dylan. Vous allez dire que. Donc attention, là il prend tuer les trucs comme ça avec pincette. Avec pincette, oui. Créez votre petit buzz, oui. Parce que vous sont les gens qui sont dans TikTok. Ils ont beaucoup d'abonnés, mais ils ne sont pas les créateurs de contenu. Donc là où il n'est pas chanteur, il n'est pas ceci. Donc, là où il n'est pas danseur, elle non plus. Donc, pour créer un peu un mouvement, là, il faut faire le buzz, c'est tout. Il faut faire le buzz. Parce que ça ne sert à rien de venir allumer la caméra et faire les lives à la con, là. Ça ne sert à rien. Donc, il faut créer un buzz. Vous allumez la caméra, vous dites bonjour, ça va. Non, les gens ne vont pas regarder. Donc, il faut créer quelque chose d'intéressant. Les gens n'allument pas la caméra, vous ne voyez pas 10 000 personnes connectées pour venir voir comment ils se regardent. Non. Il faut qu'un sujet intéressant. Et pour que ce sujet-là soit sur la table, il faut créer un buzz. C'est comme ça. Donc, moi, ça, c'est mon opinion. Hein. Nous, on attend. Mais si c'est que c'est vrai que cette fille-ci ne veut plus de lui, vraiment, 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 c'est bien fait pour lui. Parce qu'on a vu souffrir cette fille. Aïe! J'ai vu souffrir MK Michel derrière ce garçon. Hein, Bob? C'est chaud. Hey. Vous rappelez les temps là. Aïe, Beverly Hills. Dylan, les Brandon, n'est-ce pas? Hey. Non, ce n'est que les vieux comme nous là. Et la nouvelle génération là, vous ne vous rappelez pas de ça. Donc, Bob Dylan, Kelly est en train de te faire ça dur. Et t'as fait ça dur devant 10 000 personnes. C'est chaud. Comment là? Gourmand, elle a un goût que. Non, le gourmand. La meilleure partie de l'amour, c'est le gourmand. C'est là où tu sens que l'amour est. Que l'amour est mou. La partie du gourmand, là, c'est ça. C'est ça. On tombe amoureux pour gourmand. Oui, c'est pour le gourmand que l'on tombe amoureux.
gourmand, c'est sucré. Quand la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto. Mais surtout, ne mettez pas les organes. Hein.